Bonjour à tous, c'est Italina. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cet effet de peinture au niveau des armures. Et donc, déjà de base. Donc j'ai ma petite épaulière que j'ai fait en créa mousse et mousse, la mousse verte que j'adore utiliser. J'ai sous-couché au dip une fois terminé. Donc le dip, c'est un apprêt à toiture qui rend la peinture plutôt élastique, j'aime beaucoup. J'en mets deux couches quand j'ai la foi. Ensuite, j'ai bombé à l'intérieur en noir, histoire de ne pas avoir de démarcation vert, tout ça. Et à l'extérieur, j'avais bombé gris, comme ça, j'ai pas tous les reliefs à faire. Et ensuite, une fois que j'ai eu bombé gris, j'ai rempli tout l'intérieur avec du noir. Donc, au niveau de la peinture en bombe, je trouve dans les magasins La Foire Fouille des bombes à 4 euros. Elles ont vraiment une très bonne qualité. Et pour la peinture noire, j'utilise pareil des tubes que je trouve à la Foire Fouille. Donc là, dans les 2-3 euros les tubes. Et sinon, quand je ne sous-couche pas à la bombe, j'aime beaucoup utiliser, c'est les testeurs Dulux Valentine. Donc il y a des très très grandes gammes de couleurs. Et franchement, la peinture est très couvrante, elle est un peu élastique. Enfin, franchement, je m'en plains pas. Et donc après, noir, blanc, gris. Et j'ai aussi donc de la peinture argentée. Donc là c'est pareil, La Foire Fouille. Donc les pots sont un petit peu plus gros que les autres. Je crois que ça doit être 3,50. Au niveau des pinceaux, là je vais en avoir besoin en général de deux. Donc j'utilise plutôt des pinceaux plats et avec des poils doux. Parce que les poils drus, bah, ça laisse des traces. Alors, j'ai mis. Mon petit plan de travail. J'ai déjà étalé mes peintures, j'ai mes trois peintures de base, noir, blanc, argenté. Je vais surtout utiliser le argenté et le noir. Donc là, je vais utiliser au niveau pinceau du 4 et du 10. Après, c'est vraiment ce que vous voulez. J'en ai un là, il est tellement en super bon état que je ne saurais plus dire la taille. Hop. Donc là, pour vous montrer, je vais prendre peut-être un morceau d'épaulière. Hop. Donc pour le costume de Zelda. Donc là, celle-là, les. Non, pas celle-là. Celle-là aussi. Bon. Donc là, il y a la peinture grise, la peinture noire à l'intérieur. Et là, j'avais déjà fait tout ce qui est argenté par-dessus. Donc je vais vous montrer sur cette épaulière là que j'ai pas encore bossé. Hop. Donc là, niveau peinture, je vais vraiment étaler pour en avoir pas trop sur le pinceau, vraiment histoire de dire en avoir un peu. Et donc là, je vais venir brosser. Donc jamais mouiller le pinceau, toujours pinceau à sec. Et donc là, après, je vais venir brosser tout partout. C'est pas grave si vous en foutez à côté. Le tout est que ça donne un effet un peu brossé métal. Hop. Bon, là on se rend pas forcément beaucoup compte, mais ça a son rendu. Donc là vous faites ça surtout. Je vais pas m'amuser à tout faire là parce que sinon vous allez y passer 3 heures. Et moi aussi. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est au niveau de celle-là. Donc j'ai commencé à faire les finitions un peu style armure. Et donc là, ça va être exactement la même méthode. Vous allez prendre de l'argenté. Toujours pareil, pas trop. Vous l'étalez bien sur votre papier. Et ensuite, vous allez partir du centre, qui forcément va être le plus lumineux. Et vous allez venir brosser, maltraiter le pinceau au niveau de l'armure. Donc ce que je conseille, c'est quand même de faire tout d'un coup. Parce que le souci que j'ai, c'est qu'en général, je le fais en plusieurs fois et ça n'a jamais forcément le même rendu parce qu'on appuie plus ou moins fort, des choses comme ça. Donc en général, c'est mieux d'enchaîner. Parce que là, regardez, voyez. Par exemple, là, j'ai un côté qui est déjà beaucoup plus
lumineux clôt. Donc si vous avez un côté beaucoup plus lumineux, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un petit peu de noir. Donc là, pareil, même méthode. Au niveau du pinceau, vous retirez le maximum, vraiment garder un petit côté superficiel. Et vous allez venir brosser légèrement dessus. Hop. Et tout de suite, ça va assombrir un petit peu. Hop. Et après, si vous voulez vraiment accentuer la lumière de l'autre côté, hop, vous allez remettre un petit peu plus de gris. Hop. Voilà. Donc là, j'ai à peu près l'effet que je veux. Hop. Et donc là, on peut se dire, ouais, c'est bon, j'ai terminé. Mais si vous voulez vraiment que ça ressorte bien, je vous conseille donc là de prendre le pinceau fin noir. Là, vous allez prendre une bonne couche de noir. Et vous allez faire tout le tour. Tous les contours, vous les refaites bien. Hop, donc là, vous voyez, hop. Donc ceux qui me disent « Oh, c'est compliqué, j'y arriverai pas !» Si. Il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est juste ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais ça vaut le coup, niveau rendu. Et donc après, au niveau donc, du tracé noir autour, si vous voulez plus ou moins un effet de grandeur au niveau des ombres, bah, vous élargissez le trait, vous diminuez selon vos envies, hop. Voilà, si je me loupe de côté, donc tout de suite, vous avez un effet qui ressort beaucoup plus. Donc voilà, comme je dis, il n'y a rien de compliqué, c'est juste beaucoup de temps, beaucoup de patience. Donc n'hésitez pas à me montrer, à venir me demander. Ah oui, on va me dire, ah t'as mis de la peinture blanche, mais tu ne montres pas pourquoi. Alors niveau peinture blanche, bon là sur le gris c'est pas ce qui se voit le plus, mais hop, vous venez faire juste le bord bien contouré histoire que ça ressorte bien. Bon, moi, en général ce que je fais c'est que j'estompe un petit peu ce que je fais, comme ça il y a vraiment le trait blanc. Je l'avais fait hop, à ce niveau là hop, pour faire tout de suite plus ressortir les arêtes. Après sur plus tout ce qui va être couleur ou argenté, tout ça, ça va beaucoup plus ressortir, mais là comme l'argenté capte déjà beaucoup la lumière, ça donne déjà un effet beaucoup plus blanc, donc c'est un petit peu superflu. Donc voilà, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Donc là je vais vous remontrer peut-être sur une grande partie histoire de. Donc là hop, je prends mon argenté, je suis un maltraité. Donc après, chacun a ses méthodes de travail, moi je fais comme ça, il y en a d'autres qui font autrement. Chacun a sa méthode, hein. Donc après la mienne peut être bonne pour certains cas, comme elle peut être mauvaise pour d'autres. Si vous voulez plus au niveau de tout ce qui va être doré, il y a Opalescence Cosplay qui a fait un super tuto au niveau donc, de tout ce qui est armure dorée, les effets d'ombre avec du marron, tout ça. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir, elle fait des trucs magnifiques. Hop. Et après, bah, allez sur les tutos, internet, tout ça. Google est votre ami. Google répond à beaucoup de questions, surtout les miennes. Puis après, bah, suivre beaucoup de pages de cosplayers, ça aide aussi, puisque bah, y en a beaucoup qui donnent des astuces, des choses comme ça. Voilà, voilà. Voilà, tout de suite, un petit effet... Donc bah, j'ai encore tout à faire et ça va être l'éclate. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis n'hésitez pas à me demander si vous voulez d'autres vidéos. Bon, je vous ferai pas non plus sur tout ce qui est Warblade, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et je pense que
Il y a assez de vidéos là-dessus. Après, tout ce qui est mousse, bah, je trouve que c'est assez simple. Là, ça, bah, tout ce qui est tout ça, le set d'armure, bah, j'ai tout fait en une journée. Voilà. Enfin, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine. Ciao!